Bonjour et bienvenue dans la science, dans la fiction. En ce 1er avril 2016, pas de poisson d'avril. On va néanmoins parler d'un sujet un peu plus farfelu que d'habitude. D'ailleurs, farfelu pourrait être la définition du film dont je vais vous parler aujourd'hui. H2G2, le guide du voyageur galactique. Tiré du roman éponyme de Douglas Adams, le film, sorti en 2005, est réalisé par Garth Jennings. Et les rôles principaux ont été attribués à Martin Freeman, Zooey Deschanel, Mos Def et Sam Rockwell. Le film, pour bien nous mettre dans l'ambiance, commence par une chanson interprétée par des dauphins. S'ensuit le difficile et douloureux réveil d'Arthur Dent, qui apprend, dans la même journée, que sa maison va être détruite pour laisser place à une bretelle d'autoroute, et que sa planète subira le même sort quelques instants après. Sauvé in extremis par son ami Ford Prefect, astrostoppeur originaire d'une planète proche de Bételgeuse, Arthur est embarqué sur un vaisseau Vogon rempli d'antipathiques créatures plus que portées sur les papiers administratifs et ayant un certain talent pour la mauvaise poésie. Après s'être courageusement délecté d'un poème plein de vogonité, ils sont balancés dans l'espace puis récupérés par un vaisseau on ne peut plus original, le cœur en or. Le plus original n'étant pas l'intelligence artificielle du vaisseau enjoué et épanoui, ou le robot de bord dépressif, mais bien son fonctionnement. Il navigue en utilisant un propulseur à improbabilité infinie, permettant au vaisseau de se déplacer instantanément et aléatoirement dans l'univers. Arthur et Ford retrouvent ainsi leurs amis respectifs, Zaphod Beeblebrox, président galactique auto-kidnappé, et Tricia Macmillan, terrienne en mal de découverte. Leur quête les conduira aux quatre coins de l'univers dans le but de trouver la question, dont la réponse est 42. Réponse calculée par un super ordinateur fabriqué par une race d'êtres pandimensionnels hyper-intelligents qui voulaient connaître la réponse à la vie, l'univers et tout le reste. Je n'irai pas plus loin dans le pitch. Un conseil néanmoins, si ce n'est déjà fait, regardez le film et lisez les livres. Et si c'est déjà fait, re-regardez le film et relisez les livres. Vous ne perdrez pas votre journée. Et comprendrez l'intérêt de toujours avoir une serviette sur soi quand on se balade dans l'espace ou comment réserver une table au dernier restaurant avant la fin du monde. La comédie de science-fiction loufoque de Douglas Adams, d'abord diffusée sous forme de feuilleton radiophonique en Angleterre, puis de livre en 1979, puis de film en 2005, est à la SF ce que les annales du disque monde sont à la fantasy. Une caricature de notre société transposée dans un génial imbroglio de joyeux non-sens. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de science. Et ce dont je vais vous parler maintenant est à prendre avec des pincettes. Sommes-nous seuls dans l'univers? Ne pouvant pour l'instant vérifier aucune hypothèse, certains croient leur existence, d'autres non. Mais beaucoup cherchent la réponse. Pour preuve, le projet OSMA, mené par l'astrophysicien américain Frank Drake d'avril à juillet 1960, a écouté les ondes radio en direction de Tau Ceti et Epsilon Eridani pendant 150 heures. La radiofréquence recherchée par Drake correspond à l'onde émise naturellement par l'hydrogène. Ce choix n'en est pas vraiment un. La bande de fréquence allant de 1 à 10 GHz, soit de l'hydrogène au radical OH, est la seule que l'on puisse capter clairement depuis le sol, du fait de l'absorption due à l'atmosphère. Cette fenêtre est appelée trou d'eau cosmique, parce que H plus OH égale H2O. Ces premières observations n'ont donné aucun résultat, mais ont permis à Drake de mettre au point une équation l'année suivante. La voici. N, le nombre de civilisations extraterrestres avec lesquelles on pourrait entrer en contact dans notre galaxie, est égal au produit des facteurs suivants. R, le nombre d'étoiles en formation chaque année. FP, le nombre de ces étoiles autour desquelles orbitent des planètes. NE, le nombre de planètes propices à la vie. FL, la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît. FI, la fraction de ces planètes sur lesquelles une vie intelligente apparaît. FC, la fraction de ces planètes capables et désireuses de communiquer. Et enfin L, la durée moyenne d'une civilisation. D'après les estimations de Drake, N égale 10. Or, même si certains facteurs de l'équation sont facilement calculables, comme R, FP ou NE, pour les autres, le seul exemple connu est la Terre. Il devient donc difficile de mettre un chiffre précis sur ces facteurs. SETI, acronyme de Search for Extraterrestrial Intelligence, est plus ou moins le même projet qu'OSMA, en plus gros. Malgré les 35 radiotélescopes utilisés pour écouter 2500 étoiles pendant 120 000 heures, aucun signal artificiel n'a été observé. Sauf, pendant 72 secondes, le 17 août 1977, un signal suspect en provenance du nord-ouest de la maglobulaire M55 dans la constellation du Sagittaire. L'annotation de l'astrophysicien qui a observé le phénomène a donné son nom au signal, le signal WOW. Le problème de SETI, c'est qu'il devient de plus en plus compliqué de traiter les données recueillies. Heureusement, tout le monde peut aider, grâce à SETI at Home,
un petit programme utilisant les ressources inutilisées des ordinateurs de particuliers pour traiter des milliers d'heures d'écoute des radiotélescopes. En 1973, l'astronome John Hubble émet ce qu'on appelle l'hypothèse du zoo, qui tente d'expliquer l'absence de contact avec une civilisation extraterrestre. La Terre serait une sorte de réserve naturelle. Les extraterrestres nous observeraient sans jamais intervenir pour ne pas perturber notre comportement, et donc leurs observations. En 1950, Enrico Fermi a émis l'hypothèse suivante. La Terre est une planète jeune. Si des civilisations extraterrestres technologiquement avancées ont existé dans notre galaxie, au moins une a entrepris un voyage ou une colonisation interstellaire. Et cette colonisation ne prendrait que quelques millions d'années. Alors, on devrait trouver des traces. Mais on n'en trouve pas. Alors les extraterrestres n'existent pas. Dans la SF, ce sont en général les aliens qui ont une technologie plus avancée que la nôtre. Il arrive qu'ils nous aident, parfois ils nous l'offrent. Souvent, ils s'en servent pour nous détruire. Et si c'était nous, la civilisation la plus avancée technologiquement, que ferions-nous en cas de rencontre sur leur planète? Est-ce qu'on les aiderait? Ou serions-nous des criquets stellaires plantant un drapeau et s'appropriant leurs ressources avant de passer à la planète suivante? Pour plus de détails sur la vie extraterrestre, je vous invite à aller voir l'exoconférence d'Alexandre Astier, qui est un vrai petit bijou. Allez, salut, et merci pour le poisson.